Mes amis, quand je leur raconte ça leur fait rêver. Ça, c'est sûr qu'elles se disent j'ai vraiment eu de la chance. Déjà parti sur un voilier dans les pays lointains, au bord d'une plage. Naviguer sur un voilier en compagnie d'autres enfants de son âge et guetter les baleines de Méditerranée, voilà un programme peu commun et pour le moins exceptionnel. Lorsqu'on a la chance, comme Noélie, Guillaume, Maxime et leurs amis, de pouvoir les approcher et nager à côté d'elles, c'est un souvenir qu'on gardera pour la vie. À la traîne, on faisait des concours. On poussait le bateau jusqu'à 9,8 nœuds. Et fallait rester plus longtemps, mais c'était dur. L'association Enfants Sillage, créée en 1994 à Massy, s'est fixée pour objectif d'emmener deux groupes de 7 stagiaires sur un voilier pendant 15 jours. Sur le bateau, tout le monde participe à la vie à bord. Baignade, pêche, cuisine, navigation et quart de nuit. On a pêché un maquereau, deux thons. On a fait la fête, un thon. Me tire une fléchette dans la tête. Merde, pas du thon, fait chier le thon. François, il en a pris comme ça. Il a dit que c'était bon et dès que Salem avait le dos tourné, il l'a jeté par-dessus bord. À l'origine, trois adultes, Étienne, Salem et Cristobal, tous trois passionnés de voile et de mammifères marins, décident de créer une association pour faire partager leur passion à des jeunes de 12 à 16 ans. Dans la cabine, il y avait un tableau, fallait faire, chacun avait une corvée à faire. Macro, alors tu regardes, c'est mon poisson, c'est moi qui l'ai mangé, et vous que dalle. L'association se donne pour but d'amener des enfants, par le biais de rencontres et de reportages sur les mammifères marins, à vivre une expérience enrichissante de vie en groupe à bord d'un voilier. Il fallait qu'on fasse des quarts de nuit de 2 heures. On était à 2, 1 heure chacun. To ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. We'll take a ride with strangers who don't understand how to feel. In the DEFCON, we're alive. In the DEFCON.
Et puis on les voit nager, ils sautent devant nous. Et ils font... On a l'impression qu'ils nous montrent un spectacle. On essaie d'imiter leur bruit, enfin, pour les faire rester. Touchait presque la coque. Et même on a eu peur parce que les dauphins ils passaient carrément en dessous le bateau comme ça. Ils passaient sous le bateau. C'est bizarre. Les amarres larguées commencent la quête des impressionnants rorquals communs qui fendent les mers entre la côte française et la Corse. Chacun son tour, ils ont barré et ils en ont passé du temps à guetter les baleines. Certaines d'entre elles ont bien voulu se laisser approcher. D'autres, hélas, plus occupées ou plus craintives, ont disparu dans les profondeurs de l'eau à leur approche. Quand on est sur le bateau, on ne pense pas beaucoup à la navigation. Enfin, on pense plutôt à rencontrer des baleines, des dauphins, des cachalots. On plonge, on palme à toute allure. Et à un moment, tout à coup, je suis partie devant tellement j'allais vite. Pourtant, j'ai les plus petites palmes de tous. Et puis, j'ai avancé à toute allure pour la rejoindre. Elle nous a attendu sous l'eau pendant un moment, comme ça. On s'approchait, on la voyait grandir comme ça. Elle ne bougeait pas, c'était pour la retrouver maintenant. Ah, c'était beau. Cette expérience majeure aura donné aux enfants le goût des responsabilités futures.